know, it's a guitar album also. I'm a guitar player, so I really need to still feel my natural sound, you know. Preserve the warmth. Yeah, preserve. Right? That's my color. Let's see what happens. Okay. What you feel with the music, right? Let you free. You are free totally. Right. Oh, yeah, okay. I'm the master. That's it. Yeah, especially because I'm familiar with the sound of these speakers, right? And you probably are not. Exactly. And my position is not maybe the better, so the best one. So my job is to just make it sound beautiful, right? Thanks. Seul, vous n'avez pas le compromis à vivre avec l'autre. Parce que la présence de l'autre fait qu'à chaque moment que vous auriez envie de vivre, avant même de vivre le moment, vous vous dites « Ah, mais est-ce que l'autre est prêt à le vivre avec moi ?» Et à ce moment-là, quand vous avez ce genre de question-là qui apparaît à l'esprit, alors automatiquement pour moi, vous ratez quelque chose du voyage. Et c'est pour ça que c'est devenu un sport pour moi de voyager seul. C'est aussi plein d'adrénaline, plein de peurs à surmonter, plein de moments de doute qui sont pesants des fois, plein de moments où clairement on s'embête dans le voyage. Le voyage, c'est pas tout le temps être occupé à rencontrer, à voir des gens, à vivre des choses. Le voyage, c'est des moments aussi où on est là, on attend qu'il se passe quelque chose et malgré le mouvement, il se passe rien. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle je m'obsède à le vivre seul, parce que c'est beaucoup plus fort pour moi. S'il y avait des moments où vraiment je m'ennuyais profondément,
Je crois que je ferai une croix sur le voyage. J'arrêterai de me remettre en question en permanence. Et le voyage vous aide à ça. Le voyage vous aide à remettre en route des mécanismes que des fois on a oubliés, qui sont en nous. Des mécanismes d'amitié, des mécanismes d'ouverture, des mécanismes de curiosité, des mécanismes de prise de risque. Et pour moi, la prise de risque, c'est fondamental. Cuando ahí veo un chavalillo ahí que viene con su guitarra, con su mochila ahí, un tímido, así, ¿quién es ese, no? Vamos a ver quién es, ¿no? Y claro, me pongo yo a tocar, estaba yo tocando, creo que estaba yo tocando la guitarra en ese momento ahí, ¿no? Y ya pues, digo, hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quentin, David, ¿sí? Encantado, muy bien, ¿no? Y coño, ¿tú qué tocas? Ah, pues yo toco, estoy aquí a flamenco, no sé qué, yo toco música del mundo, cosas de por ahí, ¿no? Lo que me sorprendió también de Quentin, ¿no? Pues fue un poco su manera de ver la música, ¿no? Diferente, porque yo todavía estaba, pues, digamos, empezando a tocar la guitarra, ¿no? Y ahí, pues, me sorprendió sobre todo su color, ¿no? su armonía, su sonido, ¿no? Su variedad de mostrar la guitarra diferente. Recibí tus discos, ¿no? Sí. Que me mandaste. Veo que has estado trabajando, ¿eh? Has hecho un buen trabajo estos años, ¿eh? Sí. He visto cómo has metido también un poco la influencia también de eso que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Aquí le va a dar un poco de presión, ¿no? Sí. De ligado. Eso es. Todo muy relajado, ¿sabes? Es el compás, ¿vale? Del fandango muy relajado. Sí, lleva es como que va caminando, va reposado, sí. No va pum para pa pa pum para pum para pa pum back boom. Vale. Te va dando el swing ese, bueno, ¿no? Quisiera escuchar del principio. El principio, ¿no? Toda la faceta, ¿no? Con yeah. Revenir chez David et retrouver le Sacromonte, le mont sacré des gitans. C'est un peu comme un retour à une source dont j'ai besoin dans mon rapport au flamenco. Il y a ici une force que je ne peux pas connaître chez moi. Je crois que ce que je vis est tellement intense que ça nourrit ma main droite de beaucoup plus de force. Dernière étape d'un long parcours. À chaque finition d'album, c'est avec nostalgie que je mets le point final. L'intensité créatrice me quitte progressivement
pour laisser place à un vide nécessaire. Avec le temps, j'ai appris à ne plus avoir peur de cette période de transition. Jalal, c'est Quentin. Ça va? Ça va et toi? Alors, ça a été la journée? Ça va, très bien, tranquille. Super. Super. Ce que j'apprécie et ce qui m'intéresse énormément dans le violon arabe, c'est qu'il a un côté complètement horizontal. Il flotte, on a l'impression qu'il flotte en permanence dans la sonorité qu'il donne et dans l'émotion qu'il dégage. Je me souviens de ma première rencontre avec Procelli. J'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a proposé de le suivre parce qu'il avait vu que j'étais musicien. En le suivant, en prenant ce petit taxi à travers la ville, je ne savais pas où j'allais. J'ai suivi mon intuition et je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce qui peut encore se passer? Maintenant, quand je passe à Madagascar, je suis toujours très heureux de retrouver Procelli. C'est un peu comme mon rendez-vous de famille. Thank you.
Le talent de Procelli est dans la simplicité de sa musique qu'il donne tous les jours, en toute humilité. Grâce à lui, j'ai appris à maîtriser un peu plus la dynamique et la légèreté du groove malgache. À Tananarive, il est réellement reconnu. Il fait partie de ces virtuoses qui resteront sans doute inconnues du grand public. Et pourtant, quel talent. Vas-y, un coup. Je ne suis pas quelqu'un qui se fixe très longtemps dans un endroit, 10, 20 jours tout au plus. J'ai besoin de me retrouver face à l'inconnu. Sur le chemin, il y a quelquefois des rencontres qui donnent naissance à de véritables amitiés, qui restent gravées comme celles de Lema Ninji. De passage dans la région, j'ai envie de le revoir, de réentendre sa musique, de ressentir à nouveau son énergie unique. Salam, Akuri. Lema Ninji n'est pas là. Salam. Lema Ninji. J'aimerais bien essayer de le voir encore. Est-ce que c'est possible de revenir un autre jour? Quand est-ce qu'il va revenir de Tana? Exactement. Eka. Ok. Veluma. Veluma Marna. Quand ce n'est pas possible, je n'insiste pas. Je sais qu'il me faut poursuivre la route. C'est comme un appel de la vie pour faire de nouvelles découvertes. Je ne provoque pas vraiment les choses. Je suis à l'écoute des événements qui me donnent sans cesse de nouvelles occasions, de nouveaux choix possibles. Je suis avec confiance ce qui se déroule, sans précipitation. Et c'est ce qui s'est passé pour ma rencontre avec Daminazi. C'est un joueur de caboche, la guitare malgache. Tout a commencé dans la rue quand quelqu'un m'a expliqué que ce musicien était vraiment incontournable dans la région. Et pour le rencontrer, j'ai dû passer une annonce à la radio locale. Donc, monsieur Sil va attendre monsieur... Quentin. Quentin. Est-ce qu'il vous a déjà connu? Non, mais non. On m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il joue vraiment traditionnel. Et ce que je voudrais bien, c'est arriver chez lui directement, mais comme il ne me connaît pas, tu lui dis je suis un vaza. Vaza Quentin. Avec la guitare. Avec la guitare ici et... Voilà. Annonce. Annonce 10 000. C'est possible. 10 000 FMG. 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 Ok, ça va. Pas de problème. Ça en reste. Pas de problème. Moi, j'ai demandé à... Ilazana si le omni group tamnazia o tanandava bemanunga fa misolo mitadenao ka mba andrasy omni bazar bemanunga androany manonka amin'ny roa sasany lakandro izao ka hatramin'ny efatra sasany somarina fa ireo reo mahaizanao azy dia bazar kantany roe manday gitara ny raiky manday kamera ny raiky ary gasy ny fahatelondreo ka andrasy eo bazar bemanunga reo fa mitadenareo ireo. Thank you.
J'ai attendu plusieurs heures. Et c'est très discrètement qu'il s'est présenté à nous. Je l'avais tellement espéré que je m'attendais à une rencontre plus conviviale. Il n'était pas vraiment intimidé. Il était plutôt dans l'attente de comprendre mes réelles intentions. J'ai découvert quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Comme son nom l'indique, Damina Zitsara. Écrit sur son instrument, c'est quelqu'un de droit et beau. Ce genre de rencontre me remplit de joie. C'est un vrai cadeau de la vie. Non. Just put it on the store. Yeah. Over here. Just like that. Yeah. Let me see. Let me get it. Let me get it to sound natural. Ici à Essaouira, je pense que ce qui m'a intéressé, c'est la confrontation avec la musique des trans. C'est un lieu au Maroc où il y a vraiment une concentration importante de musiciens gnawa, comme on les appelle. Et ces gens pratiquent encore les musiques dites des trans, comme un peu partout dans le bassin méditerranéen. L'origine de la musique gnawa, c'est toujours cette idée du blues, de la confrontation des esclaves, qui ont été transportés à gauche, à droite, qui ont toujours été des gens du voyage, quelque part aussi, et qui ont subi une oppression, ou en tout cas qui ont vécu pas mal de souffrances, et qui ont essayé toujours par la musique d'arriver à les, peut-être les canaliser, ou en tout cas à les éliminer, à les faire sortir. Et je pense que ces souffrances se marquent fort dans les musiques des trans, parce qu'elle est le vrai sens, en fait, du pourquoi on pratique ces musiques. C'est un nettoyage, c'est un lavage, avant toute chose, du corps, et qui permet à l'esprit de se libérer et peut-être de passer à un souffle nouveau, à une énergie différente.
Ne pas parler la langue du pays dans lequel je me trouve est aussi une force. Ça permet une meilleure immersion dans la société. Les gens ne peuvent plus me juger sur ma façon de parler. Ils appréhendent ce qu'ils voient de moi. Une guitare, un sac à dos. Ils se posent beaucoup de questions et, sans la parole, ils n'arrivent pas toujours à comprendre ce que je fais là. On est alors plus attentif à l'autre. On redécouvre la force de communiquer par les gestes. Je vis parfois des moments très forts où la langue est une véritable barrière. Mais on arrive tout de même à transmettre une idée, à se donner quelque chose qui n'est plus de l'ordre du mot, mais de la vibration. La culture berbère est différente du reste du Maroc. Leur société traditionnelle n'a pas encore fait totalement le bond dans la modernité et le matérialisme actuel. Chaque région du monde possède un grain de voix particulier. Porte des émotions différentes. Et celle des Berbères a vraiment une couleur magique. إزما بالباش الرعب وقول عن سخولي حاور 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 ويثعمثي يونو 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 يوك أذا تشتمالي ذيين دي ذيه الزايا ماوان ودي ذيه الزايا وان دي ذيه الزايا لنذي ويحلولي خستسان حاور 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 ويثعمثي يونو 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 يوك أذا تشتغر بذيين أدي ذي كذا مان ودي ذي كذا وان أدي ذي كذا وذفري وبوسالات خياس يا ولدي نعم تسيب يا ذنب تفيفل تغط كلا نماريس كلا تفيفل Avec le temps, j'ai appris à dire au revoir, sans ressentir pour autant le déchirement. Il n'y a pas de séparation quand on entre dans l'âme du monde.
À Madagascar, j'ai fait la rencontre de Rachoua. C'est une chanteuse tsapik qui transmet par tout son être une émotion véritablement universelle. D'accord, ok. Rachoua est là. Ah, salut Pascal. Bonjour. Très bonjour. Salam. La mangue me tape des fils partout là, tu vois. Ouais, ouais. Dans la bouche. Toujours confiance à ma voix intérieure. Parfois je doute, je ne vois pas où elle me conduit, mais mon intuition est mon seul guide. C'est souvent quand je m'y attends le moins qu'une belle rencontre se place sur ma route. Le soir, à Madagascar, plongé dans l'obscurité, les musiques traditionnelles prennent toute leur force et leur pouvoir émotionnel. Thank you.
Ma maison est un port d'attache que je retrouve après chaque voyage. Tout ce temps dans la rue, au contact des gens, il y a un moment où j'ai besoin de prendre du recul. Toute cette confrontation, toute cette vie, tout cela se révèle quand je retrouve le calme. Après plusieurs voyages et expériences accumulées, il est temps de se raconter. Je ne sais pas si c'est vraiment un devoir, mais cela devient une nécessité. Je ne peux pas garder tout cela pour moi seul. J'ai besoin de le transmettre. Cette maison, ce qu'elle représente, c'est un peu la liberté qui continue, en fait. Dans le voyage, je suis libre de me mettre en danger là où j'en ai l'envie, avec les gens avec qui j'ai envie. Et puis, quand je me retire de cette expérience de la rue, je me retrouve dans un lieu qui est une continuité dans ma liberté, dans ma liberté sociale, dans ma liberté musicale. On voit dans le Pro Tools, on voit des tranches quand tu chantes. Ce que je voudrais, c'est voir des choses comme ça. C'est parti. Plus neutre, voilà. Stationnaire quelque part, après je descends. Ok, voilà. J'essaie. Ok, Betera, Timiro Rohale, Betera, Betera, Tiamalido, Pitava Chica, Yara. J'aime bien comment tu poses tes trucs. Ouais, ouais. Ah, non, non. Parce qu'on attend vraiment une suite. Ouais. Et la suite, elle vient dans le refrain. Dans le refrain. Elle est logique. Ouais. Parce que tout à l'heure, ce que tu as fait dans les dernières prises, c'est que quand tu faisais au début, ananana, dans les derniers refrains, ça faisait encore ananana, tu vois. Et c'est comme on n'a pas la surprise. Et là, dans, la, que, dans le condensé, on a le truc, quoi. C'est la même chose. Ouais. Ce qui s'est passé, je ne veux pas. Ce serait possible, d'accord? Je veux bien, mais tu gardes celle-ci, retiens que la deuxième fois est chouette. La première est un peu limite, je trouve. Elle est moins, elle est pas dans le groove, elle est encore stressée. L'autre est plus déliée.
But if you want to, you could just tell me like which song is song number one. It's Veloma. Okay. The global concept of the album, it's like instrumental music with just featuring as voices, like that song. So, I don't know, but it's maybe in my ear. I think it could be better to introduce more the voice into the instrument, not to separate too much, you know? Could be. A thousand teardrops wash away the stains. Another bitter crop, the wind blows away our grain. Heaven provide where the road divides. Which way should we choose? Which way should we turn? Oh, let's take it. Would we be forgiven? Will heaven provide where the road divides? The more you say you see, it's the less you say you feel. All you say you hear is the less you say you feel. Which way would we choose? Oh, heaven, oh, I. Where the road. Okay, let's go. Moi j'ai un problème de ici un truc boomy. Yes. It's accordionist too loud on the stage by this side. I don't have accordion in that side. It's too much. Oui, faisons un truc batterie maintenant et ok pour la trompette. Violon. Ok. Thank you.